Prince TV. Y'a Firage, oh, y'a Firage. Yes, c'est le Gatima, Gatima. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Il est incontestablement devenu l'une des figures phares récurrentes du show business, du people, du buzz ivoirien. Bien évidemment, à cause de son rapprochement présumé sentimental amoureux avec notre Edoxy Yao national, la Go Bobaraba. Mais aussi grâce à sa spécificité et bien évidemment grâce à son statut d'artiste international. Cependant, malgré l'amour que les grandes pages ivoiriennes lui apportent, malgré l'amour qu'Edoxy Yao lui apporte, malgré l'amour que toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière lui apporte, une question existentielle continue d'animer les débats, continue de se glisser dans les commentaires. Pourquoi Grand P est si petit ? Pour ceux qui l'ignorent, notre beau national, j'ai envie de dire, parce que voilà, on dit Edoxy Yao Grand P, même si quand tu regardes la situation, tu te dis, comment ils vont se gérer, vraiment, c'est bizarre. Alors, donc, on reste sur le thème, notre beau national, Grand P est atteint d'une maladie génétique extrêmement rare, appelée progéria. Et selon les statistiques, notre Grand P n'est malheureusement pas la seule victime de cette maladie. On dénombre à ce jour une centaine de cas à travers le monde. Visiblement, cette maladie se manifeste par une croissance retardée. Sans oublier de mentionner une rareté des cheveux sur la tête qui par ricochet devient toute petite, de petites mâchoires pour la personne atteinte, un nez pincé et un vieillissement accéléré de la peau. Pire encore, la taille des malades ne dépasse pas 110 cm, c'est-à-dire 1 mètre et 10 cm. Leur poids, par ricochet, n'atteint que 25 kg en général. Toujours est-il que malgré la gravité des symptômes, on apprend heureusement que les facultés mentales du malade ne sont point altérées par cette pathologie. De son vrai nom, Moussa Sondiana Kaba, bien connu sous le pseudonyme de Grand P, a su affronter les moqueries qui jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il est devenu star, continue de courir, voilà, parce que quand on écoute sa voix, quand on voit sa taille, on voit sa forme, les bisous qu'il reçoit, et puis on s'est dit, mais lui-même là, il continue quoi? Bon, vraiment, beaucoup de moqueries. L'artiste a su prendre son courage à deux mains, s'assumer, s'affirmer pour être ce qu'il est aujourd'hui. Il tourne partout, il est reconnu partout. Star nationale en Guinée, star internationale en Afrique, franchement, ça fait plaisir. En clair, malgré ce handicap qu'il n'a pas acheté, voilà, parce que quand les gens se moquent souvent, on a l'impression qu'il l'a cherché. Il n'a pas acheté, c'est tombé sur lui comme ça. C'est la vie, c'est la nature, mais il réussit à s'en sortir. Voilà, continuons de le soutenir, continuons de lui rendre hommage, continuons de faire parler de lui, de le faire tourner, de le faire vivre, parce que voilà, trop de choses. C'est terminé pour cette petite vidéo. Merci franchement à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin et n'oubliez pas de partager, c'est gratuit. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.